est séparé, loin, il était déjà dans le péché. Amen. Alors, le prophète dit ceci dans les âmes qui sont en prison, au paragraphe 40. À ce moment-là, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il parle, nous partons déjà dans Genèse, au commencement. Donc, je vais montrer là où tout l'amour, là, tout ça a commencé. Amen. Amen. Donc, il n'y avait personne pour cultiver le sol. Et c'est là que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Amen. Amen. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Puis, il a pris de son côté. Vous comprenez maintenant là où l'amour filo. Donc, il y avait d'abord l'amour à Capao, l'amour de Dieu, qui a fait que Dieu, un jour, il a pensé dans sa pensée, non, il doit avoir un homme, il doit avoir les enfants pour l'adorer, pour exprimer ses attributs, les attributs de Dieu qui étaient en lui. Il était père, il était aussi fils, il était sauveur. Mais comment est-ce qu'il pouvait être sauveur s'il n'y avait pas des gens qui quelque chose de perdu? Amen. Comment est-ce qu'il pouvait être guérisseur s'il n'y avait pas les maladies? Amen. Donc il fallait que ces attributs qui étaient en lui puissent s'exprimer. Alors quand Dieu a créé, c'est ça la manifestation de l'amour agapao. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est ça aussi, Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez maintenant? Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son fils. Vous comprenez? C'est ça, l'amour agapao. C'est ça le résultat de l'amour agapao. Ensuite, et puis, Dieu a pensé. Il avait créé tous les animaux deux à deux. Mais seulement Adam était le seul. Vous comprenez? Quand il a créé, faisons l'homme à notre image, Adam était en même temps homme et féminin. Ça, c'était au niveau esprit. Vous comprenez maintenant? Mm-hmm. Au niveau esprit. Maintenant, le prophète dit. Puis, il a pris de son côté un produit dérivé, une côte. Et c'est comme ça qu'il a divisé cet homme qui avait une double nature. Vous comprenez? Donc, au départ, Adam avait une double nature. Il était à la fois féminin et masculin. Amen. Amen. Il a enlevé le féminin parce que c'était l'amour. Amen. Voilà pourquoi vous voyez l'amour est toujours rattaché au féminin. Voilà pourquoi vous voyez la femme est toujours un être qui est toujours aimable. La femme aime plus. Voilà pourquoi nous voyons l'amour s'exprimer envers nos mamans. Une vraie femme ne peut pas avoir sa grossesse et avorter ou bien prendre son enfant jeté. Vous comprenez? Ou bien même si son enfant est voleur, même si on vient l'appeler que son enfant tue les gens, vous allez voir qu'une vraie mère, une vraie mère qui a l'amour filéon en elle, elle ne peut pas laisser cet enfant-là. Peu importe ce que l'enfant a fait, mais la maman-là viendra seulement pour secourir cette maman-là. Amen. C'est la réaction-là de l'amour filéon. Vous comprenez? Amen. Donc c'est l'amour humain. Alors, pourquoi madame continue, il dit, parce que c'était l'amour. Il l'a placé dans une personne appelée Ève, et qu'Adam a appelé Ève, qui était sa femme, c'est là que son amour naturel, l'amour philéo, s'est trouvé attaché à sa femme. Vous comprenez? Ça, c'est le commencement de l'amour philéo. C'est quand Adam a vu Ève, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. C'était là l'expression de l'amour philéo. Différent de l'amour agapao qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu a tant aimé. Amen. Ça, c'est l'amour agapao. Amen. Amen. Ok. Alors, l'homme masculin, ok. Maintenant, donc, le mariage et le divorce, paragraphe 76, ok. Et, Frère Madame dit, et c'est comme ça avec Dieu. Si un amour philéo, qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle, vous comprenez? L'amour qu'on a en communion fraternelle, se partager les choses, ok, peut amener un homme à avoir ce sentiment-là envers sa femme, quand l'homme aime sa femme. Qu'en est-il de l'amour agapao? Ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu, comment me ferait-il agir envers Jésus-Christ? Amen. Amen. Vous comprenez? Si on a l'affection-là, tu ne peux pas faire du mal à ta femme. Tu l'aimes tellement trop. Tu aimes ton frère. Tu aimes ta soeur tellement trop. Mais ça, c'est la réaction de l'amour philo. Si l'amour philo peut produire quelque chose de comme ça, combien de fois l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, voilà pourquoi Jésus a dit, si vous les pères célestes, quand votre fils vous demande un pain, vous ne lui donnez pas la pierre. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous comprenez? À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, lui, l'amour agapao, ne vous donnera-t-il pas
beaucoup de choses. Amen. 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 Alors, le prophète continue, il dit, ok. Il dit encore dans Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 137. Il y a un petit bout de femme qui est assise là-bas au fond ce soir et parle de m'aide à son épouse, mon épouse. Je l'aime avec tout ce qui est en moi. Même si je savais que je peux sortir avec une autre femme et m'en tirer comme ça, aller le lui raconter, mesdames, j'ai fait quelque chose de mal. Ça, c'est le prophète. Il dit, bon, même si je pars dehors là-bas, je fais quelque chose de mal, je viens dire à Méda, pensez-vous que je le ferai? Si je l'aime correctement, je ne ferai pas ça. Amen. Amen. Alors le prophète continue. Ce n'est pas, il dit que non, il ne ferait pas ça. Ce n'est pas par peur pour dire que non, ok, si je pars là-bas, je sors avec une autre femme, Méda va divorcer avec moi, comme je suis prédicateur, donc je ne vais plus prêcher. Il dit non. Ça, c'est si tu penses comme ça, ça, ce n'est pas l'amour, frérot. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais aussi longtemps que tu l'aimes, tu ne veux pas la faire du mal. C'est cet amour-là que nous manifestons là. Ça doit être de même avec Dieu. Ça doit être de même avec Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu aimes Dieu, tu ne veux pas l'attrister. Voilà pourquoi n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Vous comprenez? Donc il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Quand vous voulez faire quelque chose, vous savez déjà que ça c'est mal. Je ne veux pas attrister mon Seigneur. Voilà pourquoi on a chanté. On appelle ça quoi? Il y a une chanson là. Je ne pas mon Seigneur. C'est une chanson de l'Église. Voilà. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas attrister ton Seigneur. Amen. À chaque fois quand tu marches dans ta vie, quand tu contrôles ta marche comme ça, tu ne dois pas. Quand tu veux faire quelque chose, tu penses, est-ce que ça là, ça va faire plaisir à Jésus? C'est comme ça la marche chrétienne. C'est comme ça être plus près de Dieu. Et c'est comme ça Dieu aime. Voilà pourquoi Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, donc l'amour, vous devez manifester l'amour. Paul le dit, même si vous avez des dons de parler en langue, c'est bien. Même si vous avez la connaissance là des mystères dans le message. Non, les sept tonnerres. Non, oh non, le mariage et le divorce. Oh non, la venue du Seigneur. Oh non, tel mystère. Oui, c'est bien, c'est la connaissance. Frère Branham, la révélation, la parole est déjà ouverte. Amen. Amen. Mais si vous n'avez pas l'amour, l'amour dont je parle, l'amour à Capao, vous êtes rien. Amen. 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 Vous êtes rien. Alors, frère Branham me dit encore, il dit, si l'amour philo, vous aimez votre femme à ce point, alors avec l'amour à Capao, qui est un million de fois plus fort, qu'est-ce que ça devrait être envers Christ, si vous aimez réellement Dieu? Si je savais ce soir que je ne pourrais pas aller dans une cuite, là il parle de la même histoire que je venais de lire là. Amen. 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 Okay. Alors le frère Branham dit, je vais vous raconter encore une autre histoire que le frère Branham dit là. Il dit, il y a quelque chose qui lui est arrivé pendant qu'il servait le Seigneur et quand ses parents sont morts. Quand ses parents sont morts, son père, son frère est mort, sa femme est morte, et son enfant, sa femme est morte, et son enfant aussi est mort. Il dit, je me souviens de Mr. Isler. Vous le connaissez tous. La plupart d'entre vous, il est venu ici, le sénateur de l'État de l'Indiana. Il est venu ici, il a joué sa guitare après la mort de mon bébé et la mort de ma femme. Il reposait tous là-bas au cimetière. Je marchais sur la route, les mains derrière le dos. Le prophète était déboussolé. Il marchait comme ça, la main derrière le dos. Son père est mort. Son frère est mort dans ses bras. Sa femme est morte. Et son bébé aussi, cher homme. Après, le prophète dit, les mains derrière le dos en pleurant. Le prophète pleurait. Et il est vite descendu de sa vieille camionnette et venu mettre son bras autour de moi. Et m'a dit, Billy, je voudrais te poser une question. Il a dit, je t'ai entendu prêcher jusqu'à ce que tu t'écroules presque à la chair. C'était une question forte. Il dit, je t'ai écouté prêcher vraiment avec toutes tes forces, Branham, jusqu'à même chercher à tomber dans la chair. Et je t'ai entendu au coin des rues et tout, annoncer Christ avec force. Donc tu as fait vraiment un grand travail. Il a dit, maintenant, il t'a ôté ton père. Il t'a ôté ton frère. Il te les arrachait tous, tous les deux, ils
sont morts dans tes bras. Là, il est mort. Ta femme est morte. En te tenant les mains. Et ton bébé est mort. Alors que tu implorais son aide. Il implorait l'aide de Dieu. Et il t'a tourné le dos. Frère, si vous n'êtes pas sûr de votre foi, si vous n'êtes pas sûr de votre expérience, vous allez abandonner le christianisme. Si une telle situation vous arrive, lui le prophète avec la commission, lui le prophète où la colonne de feu est venue quand il est né, lui le prophète où il a reçu la voix de Dieu à 7 heures, ne bois pas, ne fume pas, j'ai un travail avec toi, tout ça là. Quand il baptisait la 17e personne, quand il a commencé son ministère, la colonne de feu était là pour dire que non, de même, la même façon que j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message, ton message préparera ma seconde venue. Mais une telle chose arrive et il prie. Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Là, si vous n'êtes pas sûr que c'était vraiment l'appel de Dieu, vous allez abandonner le ministère. Vous allez abandonner même de prêcher Dieu, de confesser même dans les gens pour dire que non, moi je suis chrétien. Alors, frère Balaam, il dit, que penses-tu de lui? Le frère Balaam me demande maintenant. Maintenant que ton père est mort, ton frère dans tes bras, ta femme, ton cœur là, ta femme haute que tu aimais beaucoup, et ton bébé charmant est mort. Maintenant, que penses-tu de lui? Vraiment. Tu as prié, Dieu n'a pas répondu. Frère Balaam me dit, je l'aime avec tout ce qui est en moi. Alléluia! Amen. Je l'aime avec tout ce qui est en moi. Même s'il m'envoie en enfer, ça c'est fort. Même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai quand même. Ça doit être notre réponse vis-à-vis du diable. C'était le diable qui lui parlait à travers ce frère, à travers le sénateur. Maintenant qu'il a tué ta famille comme ça, est-ce que tu vas encore le servir? Lui dit non, je l'aime. Là, je l'aime encore plus. Amen. Et même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai quand même. Il est juste, ce ne sont pas que des paroles, 26 ans l'ont prouvé, c'est vrai. Amen. Amen. Et puis le prophète dit, si vous l'aimez, ce n'est pas par devoir. Amen. Amen. On n'aime pas Dieu par devoir. Nous n'aimons pas Dieu par devoir. Là, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Vous comprenez? C'est ce que vous l'aimez, c'est que vous l'aimez trop pour le faire, parce qu'il vous a choisi. Vous comprenez? Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a choisis en premier. Il a dit qu'avant que le Père vous connaisse, moi je vous connais. Avant que le Père vous ait appelé. Amen. 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 Et puis il dit, ce n'est pas pour vous qu'il avait choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Vous dites, j'ai cherché le Seigneur et cherché le Seigneur. Non, aucun homme ne cherche Dieu. Amen. Dieu qui cherche l'homme, peut-être cherchez-vous une faveur de sa part, mais Dieu doit changer votre nature. Amen. Avant même que vous puissiez le chercher, parce que vous êtes un pécheur. Vous comprenez? Dieu doit d'abord changer votre nature avant même que vous puissiez chercher Dieu. Parce que au départ, vous êtes un pécheur. Amen. Amen. Mais lui, il est le Dieu trois fois saint. Amen. Amen. Alors il dit, vous êtes un cochon, c'est vrai. Et certains d'entre vous qui allez à l'église et menez une vie de membre. Vous comprenez? Donc mener une vie de membre, c'est comme nous sommes dans le message, nous ne vivons pas, bon, on ne part pas dans des cinémas.